Donc le Drumming Lab, c'est une genre d'école. Et moi, pour moi, c'est un petit peu l'équivalent de la drummer collective, mais parisienne. En fait, ici, ça permet aussi de se rencontrer, aussi voir des masterclass superbes. Il y a eu des gens comme Aaron Spears qui sont venus ici, ou Benny Greb, ou enfin beaucoup. En ce moment, je suis avec Nina. Là, son album qui est sorti, c'était un peu plus calme cette année, mais l'album est sorti en septembre, octobre, je crois. On est reparti là sur la route, on a fait peut-être une quinzaine de dates depuis la rentrée. J'ai fait une grosse tournée aussi, enfin une pré-tournée avec Dara G Family, un groupe qui est avec Fada Freddy et Don Godi, en fait, qui est du hip-hop africain. L'album sort en février, on repart à partir d'avril, et puis toujours avec Anaïs aussi en fait. Et un projet perso avec mon frère et un ami qui s'appelle Jérôme Cornelis, un projet qui s'appelle The Crooks, donc il y a un mélange de funk, rock, soul, un peu de jazz. Et là on vient de sortir un album il y a un mois, et puis on est très content de partir un petit peu sur la route avec ça l'année prochaine. Alors, j'ai ma ride, Artisan, Light 22, que j'ai depuis le début. En fait, elle fait partie des premières cymbales que j'ai reçues. Et il y a la Evolution HHX, que j'ai depuis le début aussi, qui a fait toutes les tournées pratiquement depuis le début. Donc j'aime bien toujours découvrir des nouvelles sonorités, des nouvelles formes, des nouvelles cymbales, des nouveaux sons. Pour moi, c'est un peu comme des couleurs. Et en fait, je trouve ça inspirant en fait, d'avoir du matériel... nouveau tout le temps en fait, ça permet de jouer différemment, de penser les choses différemment. Et puis là ils ont développé, je pense il y a peut-être une petite dizaine d'années, via Jojo Meyer, ils ont développé ça, ce qu'on appelle un Choppers. C'est un ensemble de trois petites cymbales en fait, l'une sur l'autre, c'est tout plat, il y a des petits rivets dessus, et c'est un genre de petit stack, et ça copie un peu le son de mon Charlet. Et là c'est pareil, personne d'autre fait ce genre de cymbale en fait. Voilà, ça sonne comme ça. Je me suis procuré il y a peut-être un mois, là, la nouvelle, c'est une Legacy HHX, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est un 19 pouces. Donc 19, c'est assez gros, mais elle est extrêmement souple. Et ce qui est mortel, c'est que pour moi, c'est un peu un genre de crash ride, en fait. Tu peux vraiment... tu peux la rider. La tonalité est superbe, elle est ultra moelleuse, et vraiment, là, c'est mon nouveau joujou, quoi. Donc ça, c'est une genre de cymbale d'effet... et qui a la particularité en fait d'avoir les martelés sur certains endroits, et elle est ultra souple, ultra légère, et ça donne un... je dirais que là j'ai un truc pour jouer à peu près tout, mais ouais, après j'ai plein de matériel, donc ce qui fait que je change souvent. Si je veux jouer des trucs plus pop, je vais prendre Charlet de 16 par exemple, et puis donc la ride de 22, et je vais prendre des crashs plutôt de... Là c'est une crash de 19, mais je peux prendre des crashs de 20, 21 aussi, des rides que je joue en crash. Et après, si j'ai besoin de jouer des choses beaucoup plus modernes, je vais prendre des cymbales beaucoup plus petites et puis beaucoup plus brillantes. On peut faire complètement ses propres assemblages de stacks en prenant par exemple une mini China avec cette splash là. Si je prends les deux, et la splash par-dessus. Hop, ça me donne un stack.